soir. Didango wye, amri akabutu, badango bio, amri akabo soir. Honorables invités, monsieur le parrain, monsieur le président du conseil régional, mesdames et messieurs, nous allons mettre les deux pieds dans cette cérémonie. Nous aurons droit à 4 allocutions. Nous espérons que cette investiture, qui verra la contribution de tous les experts et tous les domaines, servira à faire connaître et progresser notre société coopérative dans le Lodjibois, dans toute la Côte d'Ivoire et pourquoi pas en Afrique et dans le monde entier. Nous sommes dans le vivrier et quoi de plus normal que d'inviter à cette activité l'organisation d'aide à la commercialisation des produits vivriers, l'OCPV, représenté ici par le directeur régional basé à Gagnoua, M. Djama Até, que nous invitons devant le micro. Pour notre part, nous ferons en sorte que le soutien de l'État vous soit acquis en toutes circonstances dans le défi que vous aurez à relever. Je profite pour la même occasion en exhortant tous les acteurs du secteur vivrier qui sont encore dans l'informel à se formaliser en se constituant en société coopérative conformément à la nouvelle loi OADA afin de bénéficier des appuis de l'État. Votre coopérative a pour mission de produire et de commercialiser les produits vivriers tels que le manioc, le gombo, le piment, l'aubergine et bien d'autres. Chères femmes, chères mamans, vous deviez continuer à travailler pour alimenter nos marchés car c'est vous qui représentez le grenier de notre pays. La Direction régionale de l'agriculture, à travers son service des organisations professionnelles agricoles, ménagera tous ses efforts afin de vous accompagner dans votre mission. Nous avons une menace, la famine. Lors d'un récent séminaire qui s'est tenu à Yamoussoukro, et c'était pour faire le point de la nutrition infantile en Côte d'Ivoire. À l'issue des travaux, il a été constaté, parce que ce sont des chiffres, que les régions de Gob et du Lodjibois sont les dernières en Côte d'Ivoire en matière de nutrition infantile. Et l'appel alarmant, c'était que si nous continuons de cette manière-là, on ne parlera pas de malnutrition, mais on parlera de famine dans le Gorge-Dibois. Pour la raison toute simple que nous constatons tous quand nous prenons les routes, tous les bas-fonds servent à faire du palmier. C'est de ça qu'il s'agit. Et toutes les terres cultivables servent à faire du palmier, du cacao, de l'EVA et plus de nourriture. Donc, je suis heureux que des femmes, malgré cette situation, se préoccupent encore du vivrier. Mais je suis là pour vous dire, attention, nous qui avons des terres, nous qui voulons faire du cacao, des cultures pérennes, laissons un peu. Parce que nos manœuvres doivent manger. Nos parents doivent manger. C'est pour cet appel-là que je suis là. C'est pour ça que je suis là. Pour attirer votre attention. Je ne suis pas un politicien de carrière. Je vous dis ce qui est. Et vous en ferez ce que vous voudrez. Mais vous constaterez. Prenez les routes. Il y a plus de... Tout est palmier. Vous allez vendre vos grains de palme et vous allez acheter du riz. Bientôt, nous allons importer du riz. Nous allons importer de la banane à Divo. Attention. Attention. La présidente et son bureau derrière. Monsieur le parrain, on va inviter le chef Aliko pour venir investir. Monsieur le préfet, monsieur le parrain, le chef Aliko. Et la chef d'Adier s'apprête.
La Société coopérative des femmes actives de Divo, SCOFAD. Elle regroupe plus de 200 membres actifs d'origine diverse. Elle œuvre pour la solidarité entre ses membres et l'autonomie de chaque femme. Chers parrains, nous comptons sur votre dynamisme pour nous obtenir des financements pour la réalisation de nos projets. Et un camion Kia pour évacuer nos produits sur les différents marchés. Ça fait aujourd'hui 3 ans, à cette même place, j'avais promis faire une coopérative, les aider à faire une coopérative. Et c'est ce que j'ai fait. Et elle m'encourage à l'aider parce qu'elle travaille. Et cette coopérative met les femmes au travail et on lui a demandé de réunir toutes les femmes de Divo, sans Zektini, toutes les femmes, Djoula, Burkinabé, Dida, et elle a réussi. C'est pour ça que nous sommes à ses côtés. Et c'est ça l'objectif. Le président du conseil l'a dit tout à l'heure, il avait déjà tout dit, mais comme je dois venir dire un mot, c'est pour ça que je me suis déplacé. Nous sommes prêts à encourager Lydie et son groupe. Pour la doléance, c'est déjà chose faite. Dans 4 mois, là, ils auront leurs 22 tonnes, les 10 routes seront là. Les 10 routes sont là. Et là, mes partenaires et moi, ils sont toujours, ils vous ont dit tout à l'heure qu'ils sont prêts à accompagner la coopérative. Ce n'est pas un discours, parce que je n'aime pas les discours. J'aime tout ce qui est concret. Je suis un gagneur, je ne réussis jamais. Et je n'aime pas les échecs. Comme l'a dit le président, je n'aime pas les échecs. Et donc, mes fioles, soyez-en sûrs, elles vont vous prouver qu'elles ont eu un parrain. Et moi, je suis prêt à les accompagner pourvu qu'ils ne me déçoivent pas. Get out of here.